Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Bonjour tout le monde, bienvenue au show du pro, le show contre les vraies affaires. Alors bonjour à toute l'équipe du show du pro, monsieur le caméraman, bonjour, monsieur le régisseur, bonjour, monsieur le régisseur, t'es vraiment en vacances, oui, bonjour, bonjour Annette, merci beaucoup tout le monde, merci, merci. Excusez-nous, ça a bougé beaucoup, je vous dirais, dans la dernière semaine, moi, championnat de la province, je me suis promené avec mes athlètes, mon caméraman, Claudius Malucinus, plus qu'une job dans la vie, donc des fois, on essaie tous de se coordonner, c'est pas facile. Des fois, c'est nous autres qui dort au gaz, on se s'en cache pas, ça arrive des fois, hein. Non, mais on va se le dire, tu sais, moi, la semaine passée, je me sentais comme en vacances, parce que ça arrive jamais. Puis je vous dirais aussi, ça a bougé beaucoup dans toute ma vie. Donc en tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette semaine, on reprend tout simplement. On devrait être capable de le faire à toutes les semaines. D'après moi, je pense qu'on devrait être pas pire. Jusqu'à la fin de l'année, du moins. Moi, je sais que je vais vous faire capoter avec ça, là, mais on prépare l'automne, tranquillement. C'est là-dessus qu'on s'enligne. On a mis en vente un super bundle, soit dit en passant, qui finissait hier soir sa vente. Ça a très bien été. On est très contents. Alors pour tous ceux qui l'ont acheté, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très apprécié. Si vous avez des questions, des interrogations, vous gênez pas. On n'est jamais dur à trouver. De toute manière, en plus, vous avez acheter le bundle, vous avez plein de petites vidéos d'explications qui peuvent vous aider à mieux comprendre. Donc ça, c'est intéressant. Alors du moins, je vais y aller vraiment par étapes. Je vous dirais, écoutez, je pars toujours là. Première chose que je vais faire, je vous dirais, je vais commencer par les formalités usuelles. C'est là que je vais commencer. Alors tout simplement, si vous avez des suppléments alimentaires à acheter dans la ville de Québec, vous pouvez faire affaire avec Planète Nutrition. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, Planète Électron Neutron Nation Nutrition pour tous les martiens et les êtres vivants, bovidés et quadrupèdes et bipèdes vivants sur la Terre, poilus, non poilus. Alors si vous voulez des suppléments à un très très bon prix, vous allez voir Matt, vous allez voir Will, vous allez voir le gros puis le gars qui a des cheveux. Parfait. Alors, eux autres vont vous aider. Vous allez aller faire un tour là. Sérieux, les gars, le Pro Shop est écœurant. Le vrac est incroyable. Les noix, vous n'avez pas idée, les morceaux de noix de coco. Toutes les noix, type possible, impossible. Il y a même des petits jujubes, pas de sucre. Sérieux, c'est fou ce qu'ils ont rentré là. Ça vaut la peine. Vous voulez vraiment avoir des produits alimentaires tripants, différents, santé, faible en sucre, en hydrate de carbone, etc. Bien pensé, c'est vraiment une très bonne place pour aller. Alors, Planète Nutrition directement sur Bouvier, vous allez là. Ça se trouve être au 670 rue Bouvier, local 145. Donc, du moins, écoutez, si vous me dites, je suis pas de la ville de Québec directement, moi, je suis en transatlantique, je suis en Europe. Bien, si vous êtes en Europe, vous êtes capable d'aller voir Franck Allegra directement au Westside Nutrition. C'est bien important. Alors, c'est le 1 place Boutou. Place Boto. Yes, alors vous arrivez là, puis vous dites, je vais l'entendre, puis ils vont vous comprendre. Ou peut-être, peut-être pas, peut-être c'est peut-être trop. Il y a une couple de martiens qui l'ont essayé, ça a l'air que ça marche, mais moi ça marche pas. Alors à ce moment-là, vous arrivez directement, vous allez voir Frank, et vous lui dites, si vous voulez avoir un espèce de coupon rabais imaginaire, un 10%, vous lui dites, Julien Cabanel me coupe les cheveux comme un enragé. Alors vous faites ça, et puis Frank, il va dire, ouais, là, les cheveux, là, ouais, puis il va vous donner un 10%. C'est bon, il va faire ça pour vous. Alors, ça va y faire plaisir. Alors, du moins, c'est dans le département 05, c'est dans les Hautes-Alpes. Si vous n'êtes pas directement des Hautes-Alpes ou de l'Europe, et si vous n'êtes pas directement de Québec, dans le coin de Rubouvier, salut les molécules. Yes. Alors, si vous n'êtes pas directement dans ce coin-là, alors à ce moment-là, moi, je vous conseillerais d'aller faire affaire avec les suppléments pro, avec Pop lui-même, Pierre-Olivier Pro. Alors, directement à la place où il y a une roche à un trou. Là. Alors, vous allez dans ce coin-là, tout simplement. Alors, le 418-967-1470, le 967-1470. C'est pourquoi que j'ai cette cochonnerie-là sur ma feuille, ça n'a pas rapport, pas en tout ça. Okay, non, c'était marqué Yannick et le livre a migrissé. C'est ça, ça n'a pas rapport, pas en tout cette affaire-là. Je ne sais pas ce que ça vient faire là, du moins. Oui, c'est ça, c'est M. le régisseur, ça fait pousser un livre. C'est ça, yes, yes, ça va de se faire pousser. Non, on ne fait pas de pousser plein de potes, là. Je le sais que c'était à la mode de ce temps-ci, revenez-en. C'est fou, à cette heure, le cannabis, hein, c'était à toutes les sauces, c'est rendu capoté. Hein. Ils en font de la bière, des suppositoires, des nananes, des jujubes, des gâteaux, des. Chris, ils vont-tu faire des coupes de cheveux avec ça? Allez, on vient qu'on ne sait plus, ça va être rendu à la mode. Hey, je suis rendu assez flyé, j'ai une coupe aux potes. Ben oui, ça finit plus, hein, c'est capoté en tout cas. L'avenir nous le dira bien, mais en tout cas, du moins, pour quelque chose que tout le monde considérait comme étant profondément illicite, ça commence à devenir lucratif. Hein? De plus en plus de gens qui ont beaucoup d'argent investissent là-dedans. Hein, c'est ça, ils vont faire comme d'habitude, ils vont polluer la plèbe.
C'est ça qu'ils vont faire. Comme à Régie, hein, ils achètent un 23$, ils te le revendent 45$. Mais non, mais c'est parce que ça se paye un syndiqué à 23$ à l'heure à défaire des boîtes. C'est cher, ça. Des mouilles des formations, des mouilles ma boîte, des faire le tape, des pas faciles. Ils disaient, c'est ça que ça fait. Bon, OK, on n'embarque pas là-dedans, je vais chérir. Bon, mais du moins, il y a une affaire qui est super importante, le Training à 8,99. Training à 8,99, il est très hot parce qu'il est un peu dans le même wave, dans la même vague ou dans la même idée, je vous dirais tout simplement, que ce qu'on est capable de trouver dans l'ensemble de tout ce qu'on vous vend, de tout ce qu'on vous apporte, de tout ce qu'on vous donne comme matériel. Alors, regardez nos bundles, comment est-ce qu'ils sont complets, comment vous avez beaucoup de matériel dedans. Bien, c'est là que ça devient super intéressant. Le petit Training à 8,99, vous avez toujours le Training pour la prise de masse, pour le cutting à la maison, la remise en forme, les conseils. Pour 8,99, 4 trainings, conseils, etc. Ça vaut vraiment la peine. Excusez, là, mais c'est vraiment pas cher. C'est bon. Puis c'est pas du training boboche. OK, j'ai même des préparations de championnat que je mets là-dedans. OK, des athlètes que j'ai amenés en avant sur des stages, là, c'est des trainings qu'ils ont fait, qu'ils ont essayé, que ça a été breveté et prouvé. Hey, mon Dieu, Phil Duguay, qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu, hein? Aujourd'hui, live à mon show, j'ai Phil Duguay dans mon gym, c'est incroyable. Fantastique, je t'ai pas vu, ça va, gros? T'es content de te voir, man. Yes, c'est bon. Yes, Phil Duguay lui-même. Toujours bon bonhomme et en shape, effectivement, yeah. Alors, mon Dieu, c'est une surprise ce matin qu'il soit avec nous autres. Je suis très content. Salut, man. Alors, du moins, on y va avec ça, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à magasiner sur le site. Beaucoup de matériel, beaucoup de produits, beaucoup de choses différentes, tout simplement. Donc, vous, vous gênez pas. Ça va nous faire excessivement plaisir. Et nous sommes live directement du 3055 Boulevard Hamel, le local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym semi-privé. Le seul vrai gym semi-privé à Québec où on vous donne du service, on s'occupe de vous. Vous n'êtes pas un numéro et où tout le monde obtient des résultats. C'est très important. À part Claudius, là, parce que là, il a pris du recul un peu. Il va falloir repartir ça, là, à un moment donné. Là. Mais maintenant, tu peux venir avec ta blonde, tu peux venir. Bon, tu sais, quand même. Ouais. Ça ne change rien. Là. Je veux dire, bon, tu sais, c'est pas plus cher. Là, tu comprends-tu? Tu sais que tu l'amènes, tu viens avec, puis c'est Tiki Dou. Bon, hein. Au moins, c'est pas pire, on se comprend, on parle la même langue. C'est bon, c'est correct. Ah, Claudius, c'est un gars occupé dans la vie. Il a à peu près 8 jobs, il a 500 obligations, il a un chien. C'est quelque chose. C'est tout un chien. Ça. Voilà, parfait. Alors, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour nous rejoindre, toujours le même numéro de téléphone, de 418-2 204-8246, le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos testicules ont tellement fondu que vous enviez les fondus parmesan en entrée. Oh boy, ça c'est pas drôle en tabarnouche. OK, parfait. Donc, du moins, je prends toujours la peine de répondre à différentes questions de la part de mes auditeurs. Puis il y en a une en particulier que je vais faire ce matin parce que ça, c'est le genre d'exemple de choses que je déteste, OK? J'ai un gars qui m'écrit, tout simplement. Je donne pas son nom, rien, là, tu sais, je ferais pas ça, là. C'est le gars, ben oui, Pierre-Luc Thibodeau du 45-50, telle rue, qui a plus d'érection. Tu sais, le gars, chien à mort, tu sais. Ben non, c'est pas ça, pantoute, c'est une joke. C'est une joke. OK. Tu sais, peut pas être plus manger une merde, tu sais. Bon. Hey, le gros, je t'avais dit pas mon nom, tu sais, yes. OK. 37... OK, salut, Vez, yes. Alors, 37 ans, 8 ans d'entraînement. Bon, alors, 37 ans, 8 ans d'entraînement, le gars avait jamais pris de stéro, le gars avait jamais touché à rien, puis il a demandé à un gars de faire un traitement, y faire un cycle, et le gars me l'envoie pour le faire valider. Bon, alors moi, déjà en partant, il y a des produits que je ne m'attends pas à voir. Le gars n'a jamais fait ça de sa vie. Outre son âge, 37 ans, homme mature, une certaine expérience à s'entraîner, sans aucun problème, c'est très bien. Déjà en partant, j'achète l'idée. Bon, moi, j'avais appris avec Robert Sabatini qu'il y a des molécules qu'on ne change pas ou qu'on ne mélange pas. Ou du moins, j'en vois pas l'intérêt. Parce qu'ici, j'ai un cycle de 7 semaines. Bon, c'est correct. 7 semaines, c'est très bien, ça va. Dans lequel on a mis du Masteron sur les 4 premières semaines. OK. Je sais pas pourquoi juste ces 4 premières semaines. Je la pogne pas trop. Il y a du trénacétate, ça, OK, ça, je sais pas c'est qui la personne qui a fait ça, mais je vais me gâter solide, là. T'es vraiment un d'imbécile, OK, t'es un idiot, t'es un crétin, t'es un entrée de gamme, t'es un deuxième calibre, t'es un innocent, OK, oui, voilà, OK, il y a des choses comme ça qu'on ne donne pas à des gens qui n'ont jamais fait de stéro, OK, ça se fait pas. OK, ben là, excuse-moi, Annette Calvaz, que si tu veux, je te dise, le gars, il monte un cycle à un gars, il met du train, jamais touché à rien. Ben, il est pas, oui, bon, c'est ça, oui. C'est ça la différence entre moi et ma recherchiste, c'est que ma recherchiste est impolie, moi, je le suis pas. Bon, elle a qu'à dire, il manque d'expérience. Ouais, moi, je vais vous dire qu'il manque de capacité, hein, c'est pas la même définition, voilà, bon.
Ensuite de ça, on part avec un testo et mentate. J'ai pas de problème avec ça pour les trois premières semaines. Mais le gars, il fait un load up front, OK, mais sans continuité. Il fait 1000 mg, 1000 mg, 500 mg, OK? Mais c'est parce que le gars n'a jamais rien fait de sa vie. Il n'a pas besoin de prendre 1000. Voyons, tu lui donnes un 2cc, mettons, tu lui donnes un 500 mg, que il va le sentir à pas à peu près. OK? Puis après ça, quatrième, il l'arrête. Il l'arrête, il passe à la propionate. Tu pensais-tu qu'il allait moins aromatiser? Tu vois ça comment? OK? Je vois pas ce que la test propionate vient faire là-dedans. T'sais, c'est pas deux phases d'entraînement, c'est le même cycle. Personnellement, je vous dis pas que ça se fait pas. Je vois pas l'intérêt. OK? Le train acétate, aucun rapport. Aucun rapport pour un gars qui a jamais fait de stéro. Aucun rapport. Bon. Puis le gars, il part au début, les quatre premières semaines, il met du masteron, puis après ça, il n'y a plus aucun anabolisant là-dedans. OK. Mais tu gardes ton train acétate avec ton testo propionate. C'est très bien. Ça se fait. Parce que ça me prend toujours un androgène testostérone ou un androgène pur pour aller avec une traîne. Ça, c'est bon. Mais dans la perspective où je travaillerai avec quelqu'un qui est habitué. OK? Puis ensuite de ça, ben le gars, il met un hypersexualisant à partir de la cinquième semaine. Il met du proviron. Il part à un par jour. Je vois même pas l'intérêt. Un par jour, là, je prends un verre d'eau. Hein? Il se passera rien. Deux, c'est à peu près 50 mg par jour. Ouais, OK. Trois, 60. Regarde, c'est pas compliqué. Là, le proviron, là, il est effectif à 100 mg, c'est bon. OK? Bon, puis pas en bas de 50. Bon. Moi, je m'en sers surtout, je vous dirais, beaucoup, surtout en PCT, il peut être intéressant, ou je m'en sers pendant un cycle, exemple, quand le cycle est trop androgénique. Le gars, il fait peut-être l'équivalent de 300 mg de trénacétate par semaine. Ouais, ouais. Tu sais, tu me dis, je fais 500-600 de parabolant, je fais 500-600, mettons, exemple, de trénénantate, acétate. Bon, je fais, mettons, du dianabol avec ça, j'ai mis de l'allotestin. Bon, le masteron va avoir, le proviron va avoir sa place. Puis le masteron n'avait pas d'affaire à être arrêté pantoute, mais pantoute, là. Pantoute, là. Tu sais, le masteron, tu le flattes. Ça prend un anabolisant. Il y a un gros problème dans ce cycle-là. C'est que j'ai des testos, des androgènes, j'ai pratiquement aucun anabolisant. Morale de l'histoire, OK? Quand vous vous faites monter des traitements ou suggérer tout simplement par des gens, prenez donc la peine de valider, de vérifier. Et la personne, je ne donnerai pas son nom, mais il m'a écrit pour me dire « Je crois que c'est pas la mer à boire. » Effectivement, tu as bien raison, c'est non seulement pas la mer à boire, mais si c'était le fleuve, moi, si j'étais toi, j'y toucherais pas, j'aurais peur de me corrosionner. Alors, vive la bouteille d'eau avec une saveur d'eau. Voilà, petite saveur aux fruits ce matin, ça rend heureux. Alors, du moins, prenez toujours la peine de consulter des gens qui connaissent ça, des gens qui sont dans le milieu, des gens qui ont à cœur votre santé, qui veulent que vous vous développiez comme il faut. Et en parlant de santé comme telle, alors, je vous introduis au sujet de cette semaine. Qu'est-ce que le HCG, ce qu'on pourrait appeler le Human Chorionic Gonadotropin Hormone? Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, vous entendez ça, de l'OPL, du corulon, c'est toutes des choses qui vont se répéter. On parle toujours du même type de mots, on parle toujours du même type de produit. OK. Qu'est-ce que c'est comme tel? Bon, parce qu'on en entend souvent parler, quand tu fais un cycle, tu as fini, tu fais du HCG. Est-ce que c'est quand tu as fini? Est-ce que c'est pendant? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est seulement après ou pendant? Est-ce que c'est tout le long? Il y a beaucoup de questions. Alors, au show du bro, on va vous aider, on va répondre à ça. OK. Alors, le HCG de son vrai nom, le hormone chorionique gonadotropin, OK, gonadotrope humaine, de l'anglais human chorionic gonadotropin, ou encore gonadotropine humaine. Bon, ça commence à être pas mal dans le même bout, là. Alors, est une hormone produite par les cellules du placenta. OK, alors à partir du 10e jour de la nidation de l'œuf humain dans l'utérus au cours de la grossesse d'une femme. Je suis sûr que je vous apprends quelque chose. Il y a une Christie de gang qui pensait que ça avait même aucun rapport parce que le HCG n'a jamais été pensé nécessairement comme tel pour recalibrer des protocoles de stéroïdes, mais bien pour être capable de donner un meilleur taux de fertilité autant chez l'homme que chez la femme. C'est à ça que ça sert après ma barre, OK? Donc, elle est libérée dans le corps humain par la stimulation de l'hypothalamus. C'est bien important de comprendre ça. C'est dans votre tête. Hein, l'hypothalamus, pas entre les fesses. Okay? C'est vraiment dans votre tête. C'est bien important. Okay?
La gonadotropine chorionique humaine est disponible, OK, dans le commerce sous deux formes. La première est une poudre extraite de l'urine des femmes enceintes, OK, devant être dissous dans de l'eau stérile, puis induite dans le corps humain par une seringue injectée dans un muscle. Bon, voilà. Alors, ça, c'est le classique de ce qu'on connaît. Ça, c'est correct, c'est bon. Alors, vous avez, exemple, vous avez du 2000 units, du 8000 units, du 5000 units, du 10 000 units à laquelle on va mélanger tout simplement un eau bactériostatique. Idéalement, bactériostatique étant beaucoup mieux. Puis quand le mélange s'est fait, tout simplement, à partir de là, on a un dosage à respecter à toutes les semaines. C'est un protocole de suivi. OK. Comment ça agit? Bien important. L'une des possibilités d'action du HCG, la gonadotropine, serait la décomposition de la graisse abdominale pendant la grossesse de la femme, de sorte à la transformer en énergie pour la croissance du fœtus. Très intéressant. OK? Alors, cette hormone-là qui est libérée par la femme pendant sa nidation, pendant sa gestation, sert à ça. Donc, demandez-vous comment qu'une femme qui attend un enfant fait pour prendre 75 livres. Quand le fœtus y arrive, le bébé est au monde, il pesait, mettons, 8 livres et demi. OK? Le 65 qui a frise, c'est quoi? OK? Ça, c'est des rages de bouffe, là, puis des inventions. Ah, je te dis, de cette année, là, j'ai des rages, là, des fudge au croton, là, qu'une bonne cravenée. Non, regarde, oublie ça, là. Ça, c'est capoté. OK? Ça, là, tu sais, là, des affaires d'aller fumer du saumon, là. Puis non, monsieur le régisseur, on fait pas de saumon fumé. C'est pas ça que je suis en train de dire, bordel. Bon, y a-tu des commentaires assez insipides? Une chance d'être engagé par la compagnie, ouais, c'est quelque chose, hein, ouais, c'est ça. Bon, les gars, du moins. Hein? Ben oui, mais je suis persuadé qu'il y a une face en dessous de ce barbe-là. Je sais que c'est ça. Ouais, mais là, je la vois pas. C'est peut-être quasiment mieux de même, finalement. Et c'est voilà. c'est ce qui aurait permis de penser que le HCG pourrait être utilisé comme palliatif pour la perte de poids. Là, je veux pas voir personne me donner des nouvelles par le mail. Dire, hey, gros, je veux coter, t'as-tu du HCG? Je veux pas que personne m'écrive pour me dire ça. Je vais avoir un petit jus d'orange qui va remonter. OK, faites pas ça. Merci. OK. Le corps humain possède trois types de graisse. Ça, c'est intéressant à savoir parce que des fois, moi, je dis ça aux gens. Tu sais, ton gras de bébé, ton gras fœtal, tu ne l'as jamais brûlé. Puis les Morgane, ils sont là, gras fœtal. C'est parce que tu as de la graisse sur toi qui est là depuis que tu es à l'aube de ta naissance et qui peut disparaître. OK? Alors, trois types de graisse. La première, c'est la graisse structurelle. Elle sert particulièrement à la protection de tous nos organes, comme pour les amortis, par exemple. OK? Alors, la deuxième est une graisse dite normale ou naturelle, servant particulièrement au rembourrage des mains, des pieds et des autres organes. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui a une main à plat, puis à la place d'avoir des jointures, il y a des trous, c'est plus du rembourrage, c'est du surbourrage, c'est pas pareil, OK? Ça veut dire que ça, il y a un Doritos qui revole le soir avec 8 fudges. À tous les soirs, à l'année, 365 jours. Monsieur le régisseur, c'est ça, c'est pas bon. Hein? Ben oui, mais là, vous pouvez même parler de ça. Il vous reste encore les doigts oranges, là. Vous avez du cheetah jusqu'ici, là. Ben oui. Ah oui, moi, je le vois, votre caméléon, comme dans l'annonce, là, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu le vois-tu quand va mal, Cadéléon? Il le voit pas! Elle voit juste des dildos, tu sais, je veux dire, elle rendit sénile. Ah, excusez. Voyons, on s'enligne sur quoi, là? Yes, OK, excusez. Bon. OK, bon, donc, on revient. Alors, on est revenu? La troisième, c'est la graisse anormale. Bon, il y a des émissions là-dessus aujourd'hui, hein? La vie à 600 livres, puis comment est-ce que je me trimballe dans mon 10 roues, hein? Ça, c'est deux émissions connues. Alors, c'est la graisse qui est en excès et qui se stocke particulièrement au niveau du ventre, les poignées d'amour, les fesses en général. Alors, une vie sédentaire, la consommation d'aliments trop raffinés et hydrogénés, la vieillesse ainsi que la génétique contribuent au stockage de ces mauvaises graisses dans le corps. Donc, on est capable de faire un lien directement entre l'amincissement, l'amaigrissement et l'effet direct du human chorionic gonadotropin hormone. Le docteur A.T.W. Simpson. Écoutez, je ne sais pas c'est quoi son nom, là, c'est ça, A.T.W., bon, je ne sais pas, là, mais il semble d'avoir ses parents. Ah oui, il est cute, on va l'appeler A.T.W. Oui, hein, puis c'est ça, il y en avait un autre qui était plus rond, là, il l'a appelé A.W., c'est ça, ouais, mais ça, c'est pas de mes affaires à moi, j'embarque pas là-dedans, je trouve ça malade. Moi, je pense que Sylvie ou Jean, je pense que c'est mieux qu'A.T.W., mais ça, c'est une autre affaire, faudrait demander ça à son génie et dans A.T.W., justement, faudrait demander à elle. Voilà, c'est bien ça qu'on pourrait dire, ouais, d'accord. Alors, le docteur Machin Simmons aurait constaté que la simple stimulation de l'hypothalamus et donc la libération de l'hormone HCG, OK, aide à métaboliser les graisses de sorte de faire que les graisses stockées soient brûlées et donc amincir et mincir la possibilité d'une perte moyenne d'une livre à un kilo de graisse par jour sur une base d'un régime de 45 jours.
on va se calmer, là. On va se calmer, là, parce que là, c'est quand même pas du DNP. OK, wow. OK, bon. Mais c'est observable que ça peut vous garder plus lean. C'est observable. OK, right, parfait. Alors, il est possible de manger tout ce que l'on désire. On va se calmer, là. En ne dépensant pas 500 calories de plus... OK, en ne dépensant pas 500 calories par jour, OK, à l'exception des sucres féculents ou autres éléments raffinés. De plus, un côté très positif du HCG est de pouvoir métaboliser les graisses et donc de les libérer beaucoup mieux, OK, que ne le ferait un régime normal, ce qui en résulte une peau qui est beaucoup plus ferme et ne devenant pas flasque comme dans un régime de façon relativement standard. De là à ce qu'on disait, tout simplement, de dire qu'on est capable de manger ce qu'on veut parce qu'on prend du HCG, ça, je vous dirais, je suis pas d'accord avec ça, parce que même la femme enceinte, elle, c'est pas pareil. Elle est en train de créer un être humain, elle fabrique un être humain, donc... Je vous dirais, c'est sûr que son besoin en calories peut être augmenté, mais de là à dire qu'il faudrait qu'elle mange à peu près n'importe quoi, voire même l'ensemble de tous ses fantasmes personnels, ça, c'est une autre affaire. Il y en a des femmes comme ça. Moi, entre autres, moi, j'ai entraîné une fille à un moment donné, elle a mangé du saumon fumé pendant sa grossesse, vous n'avez pas idée, là. À tous les jours, tout le temps, 2-3 fois par jour, le gros trip de saumon fumé à côté, elle n'a jamais mangé de sa vie. Demandez-y d'en manger aujourd'hui. Impossible, impossible. Elle passe à côté de la poissonnerie à mal au cœur. OK? Les dérèglements hormonaux peuvent amener différents types de phénotypes à l'intérieur d'un métabolisme. Mais ne calculez pas que le HCG sert à ça. Il peut peut-être induire ça, mais il n'amène pas ça de toute évidence. OK? Le HCG, alors souvent, nous autres, on va en parler, nous autres, comme bodybuilder. Alors souvent, les HCG, pendant la cure de stéroïdes, qu'est-ce que c'est? Une des propriétés de la gonadotropine humaine est d'imiter l'action de l'hormone luténisante, le LH. Cette hormone est reconnue comme étant l'hormone qui stimule les testicules pour produire la testostérone. Plus précisément, lorsque l'hormone LH reçoit un signal transmis par l'hypophyse, okay, cela stimule des cellules de Leydig, parce que vous avez les cellules de Leydig qui produisent la testostérone et les cellules de Sertoli qui produisent la spermagenèse. Okay. Donc, les testicules, alors voilà. Alors, elles stimulent les cellules de Leydig, okay, dans les testicules pour produire plus de testostérone et tous les effets positifs qui s'en découlent, tout simplement, tout simplement. Alors, après l'administration de stéroïdes, le taux de LH diminue rapidement. Bon, ça, c'est normal. C'est une boucle de rétroaction fermée négativement. Vous mettez un élément exogène à l'intérieur, puis on coupe le signal. C'est automatique. Bon, parfait. OK. Ça, c'est fait. Ceci provoque une absence de signal au niveau de l'hypophyse. Ben oui, c'est fermé. C'est fini. Parce que le signal, il dit produit du testostérone. J'en mets de façon synthétique. Le signal diminue. C'est normal. Simplement, l'hypophyse ne reconnaît plus le fait par lequel le signal doit être plus criant et de dire qu'on continue à produire. On a du synthétique dans le corps. On roule sa synthétique comme mon char, pareil. OK, comprenez? Donc, à partir de là, j'ai pu en fabriquer. Le métabolisme arrête. OK? Tout simplement. OK. Ensuite de ça, je vous dirais, bon, si c'est ça. Ceci provoque une absence de signal au niveau de l'hypophyse, ce qui engendre par la suite l'arrêt de la production de testostérone et aussi une dégénérescence rapide des testicules. Ça, il va parfait. Alors, la dégénérescence testiculaire se constate par une réduction apparente du volume, okay, dans les cellules de Leydig, suivie par une réduction de testostérone au complet au niveau testiculaire. Bon, alors quand vous faites un cycle de stéroïdes et il n'y a plus à ce moment-là de signal de LH, effectivement, oui, les cellules de Leydig n'ont plus à se comporter comme telles en produisant un certain taux de testostérone et elles se mettent à diminuer. Diminuer. OK? Solidement. Bon, alors, si on veut éviter ce phénomène-là, parce qu'il ne faut pas se rendre complètement au fait à ce que les raisins soient chesses. Comprenez-vous? OK? C'est bien important. Il ne faut pas se rendre jusque-là. Alors, si on veut faire attention à ça, il faut absolument être capable d'utiliser à ce moment-là un produit comme le HCG pour monter le signal de LH au maximum. C'est très, très, très important. OK? Pour au moins que, exemple, le corps caverneux du pénis reste toujours relativement plein, que le pénis reste toujours relativement assez rond, plein, volumineux, que les testicules gardent toujours, je vous dirais aussi, une certaine, un aspect spongieux, si je pourrais dire comme ça. OK? Toutefois, il est possible d'éviter cette dégradation grâce à l'administration d'une faible dose de gonadotropin. Bon. Alors, ne serait-ce à dire que ce qu'on tente de se demander là, OK, est-ce que je vais prendre, mettons, mon HCG pendant ma cure, après ma cure? Je vous dirais, idéalement parlant, moi, je conseille toujours de le faire pendant. Mais bon, il y a bien des gars, des fois, ils vont me dire, « Ouais, ça commence à faire du stuff pas mal. Écoute, garde, on se protège de tous les bords, puis je pense que c'est ça qui est le plus important là-dedans. Ce qui est important, c'est le résultat que ça nous donne. » OK? Il est cependant courant de voir que la plupart des utilisateurs de stéroïdes sont amenés à croire qu'il est préférable d'utiliser le HCG seulement après la cure. OK? Alors, dans ce qu'on parle, un « post-cycle therapy ». Il faudra cependant admettre qu'il a été examiné par des chercheurs en endocrinologie,
Une récupération plus complète et plus rapide est possible s'il y a prise minimum de HCG pendant le cycle stéroïdien. Alors, à ce moment-là, quand vous commencez votre cycle, vous avez un 8 semaines, un 10 semaines, un 12 semaines, un 16 semaines, bon, peu importe. À partir de la 2-3e, vous commencez le HCG parce qu'à ce moment-là, le signal de LH s'éteint. C'est normal. Alors, pour conserver, je vous dirais, un volume optimal des testicules avec des cellules de Leydig qui continuent à produire un certain taux de testostérone sans arrêt et les cellules de Sertoli qui continuent à produire une certaine spermagenèse, il est inévitable, voire même incontournablement important de travailler avec ce produit-là pendant la cure. Moi, je le conseille souvent à tous mes gars comme je leur conseille de se nettoyer. Et les oreilles, c'est vous qui les avez. C'est pas moi qui fais la décision à votre place. Moi, je vous dis quoi faire. À partir de là, vous y allez avec votre feeling. C'est comme quand je dis au gars de se nettoyer. Ouais, mais ça te rend pas gréou. T'es là, bon, OK, d'accord, c'est beau. Tu sais, t'arrives dans un nouvel appartement, tu mets toutes tes affaires dans les armoires, dans même, tu nettoies pas, tu laves pas le plancher, tu nettoies rien. Non, ben c'est ça, c'est le même principe. Vous voyez, voilà. Bon, là. Alors, certaines études ont démontré que le report de l'utilisation du HCG, alors à la fin, le report, alors en place de le faire pendant, on le fait à la fin, que le report de l'utilisation du HCG jusqu'à la fin d'un cycle de stéroïdes provoque une forte augmentation œstrogénique, OK? Et ceci de façon disproportionnée par rapport à la testostérone. Ben oui, c'est normal, parce que plus tu avances dans ton cycle et plus tu as des chances de voir l'œstrogène monter. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gars, pendant le traitement, ils vont utiliser, exemple, soit le Nolvadex, soit l'Arimidex, pour être capable de, même l'aromacin, que moi j'aime bien l'aromacin. Alors on va contrer finalement à ce phénomène-là en travaillant avec des produits comme ça qui sont anti-œstrogéniques. Mais ça n'empêche pas que les testicules ne fabriquent pas nécessairement de testostérone pendant ce temps-là. Les deux sont attachés, là. C'est pas parce que je baisse mon taux d'œstrogène que je remonte mon testo. Ça n'a pas rapport. J'ai quelque chose qui a arrêté de fonctionner. Alors, il faut que ce fonctionnement-là continue. C'est très important. Cela implique en conséquence la suppression de l'AHTP, l'axe hypothalamo-testiculaire, okay, en augmentant un risque réel de gynécomastie. Bon, là, quand même, on ne partira pas sa chute. Tu ne te rembourseras pas avec des notes d'un gars de 14 ans, Christy, parce que tu as fait un cycle de stéro. Si tu l'as mal fait, tu l'as mal fait. Ou comme un gars que j'ai vu le 12 de mai, c'est-à-dire au championnat de l'Est du Québec, qui est arrivé en avant en excellente condition, mais il y avait des notes. Et moi, personnellement, je suis un juge, ben tu passes pas. Et non, tu te présentes pas en avant avec ça. Non. Même les pros qui se mettent 100 000 dans le cul par année n'arrivent pas comme ça. Bon. Alors, ça veut dire que le gars qui t'a gaugé, t'a mal gaugé. Bon, voilà. Alors, cela peut provoquer une diminution des chances de rétablissement complet. Ben oui, mais si seulement on le fait à la fin. Mais moi, je conseille toujours de le faire pendant. Okay? En d'autres termes, si une personne réduit considérablement sa capacité de sécrétion de testostérone, il faudra plus de stimulation de LH ou de HCG pour produire un taux de sécrétion et de production identique à la normale. T'as qu'à passer de l'autre côté, mon Joe, il n'y a pas de tour. Comment ça va, man? T'es en forme? Ben oui. Yes, oui. Madame va bien le matin, man? Super. Ça roule. Bon, parfait. Parle-moi de ça, man. Yes, sir. Oui, Joe est mon The Beast lui-même. Incroyable et fantastique. Yes, sir. Yes, sir. Monsieur Auto-Élégance lui-même. Yes. OK, donc du moins, je vous dirais, ce qu'on est capable de constater, c'est vraiment ça. C'est qu'on sait très bien que pendant le cycle, on aurait plus de chances d'avoir un résultat avec moins d'impact négatif si on le faisait directement là au lieu d'attendre, OK? Et plus le cycle va être long et plus les produits vont être utilisés avec un fort dosage et plus le risque d'affaissement métabolique endocrinien va apparaître. Ça, c'est évident. C'est le gars qui a fait un cycle de 82 semaines, ça fait longtemps qu'il ramasse juste des pinottes avec. Donc, on s'entend-tu, là, c'est fini. C'est comme un cave que j'avais rencontré au World Gym là, qui fait juste du haut. Il fait pas de jambes. Le gars faisait 2 ans qu'il était sur le déca. Hey, 2 ans sur le nandrolone, il était même pas capable de piner une fiche électrique dans un mur. Oublie ça. Impossible. T'es même pas capable d'enfiler un morceau de boudin fret Chris, dans un frigo. Même pas. C'est complètement malade. En tout cas, moi, si j'étais toi, j'aurais des inquiétudes. Bon. Ce qui peut provoquer la réduction de la sécrétion d'hormones, bon, parfait, etc. Parfait. Bon, et amener irrémédiablement ou inévitablement à peut-être des problématiques de façon de stérilité de façon définitive. OK? Alors, il ne faut pas que le métabolisme arrête. C'est très important, il ne faut pas qu'il n'arrête. OK? Alors, il y va de ce fait qu'il soit évident de prendre des mesures préventives afin de protéger la sensibilité testiculaire. Là, je ne vous parle pas de mettre un jackstrap, là, je vous parle vraiment d'utiliser bons produits, ça je veux dire. Là. Et en éviter la dégénérescence, OK? Parce que dégénérescence, ça rime avec pestilence, puis ça rime avec ignorance, puis ça rime avec imbécilité. Je ne sais pas, ça se dit-tu imbécilité? Non, ça se dit pas. Bon, en tout cas, ça rime avec casse de bain. C'est correct.
De plus, la disponibilité du HCG ne donne aucune excuse de façon recommandée après un cycle de stéroïdes parce que c'est pas le HCG, c'est pas quelque chose qui est nécessairement difficile à trouver. On va se le dire tout de suite, là. C'est sur tous les sites aujourd'hui où on vend des stéroïdes, des anabolisants, des peptides, et Dieu seul sait qu'il y en a, mais pas à peu près. Le HCG se trouve de façon relativement facile par différents types de compagnies, dont exemple la compagnie Ovigil qui fabrique des 5000 units d'APL, qui sont vraiment des classiques que tout le monde connaît beaucoup. Ensuite de ça, on est vraiment capable de le trouver sur différentes formes. Je vous dirais, c'est pas complexe à trouver. Même si c'est pas rare que vous allez sur des sites pour acheter des stéros, puis c'est souvent back-order. Pourquoi? Parce que ça sort à pleine pelle. Donc, c'est un type d'hormone qui n'est pas nécessairement difficile à trouver. Il n'y a pas de contrefait dans ça. Il n'y a pas de gens qui se sont lancés dans le contrefait du HCG. Il n'y a pas d'intéressement à ça. C'est pas assez payant. C'est pas assez rentable. Puis, c'est des produits d'appoint. Donc, tu comprenez un peu que de ne pas le mettre dans votre cycle, c'est une erreur. T'sais, pensez vraiment à long terme et pensez santé, c'est bien important, OK? Donc, le HCG pendant la cure de stéroïdes. Bon, qu'est-ce qu'il en est du HCG après la cure de stéroïdes? Bien important, OK? Le but de son utilisation après une cure est essentiellement pour corriger le manque de réactivité testiculaire ou le rétrécissement de celle-ci pendant la cure. Alors, plus la cure de stéroïdes est longue, c'est exactement ce que je vous disais, alors plus il y a de risques ou de problèmes importants, voire irréversibles. Voilà, bon. Alors, s'il s'avère qu'il y a un manque de réactivité, même après une production de LH, hormone lutéinisante, OK, la production de testostérone par le testicule en quantité suffisante sera fortement retardée. Bon. Alors, c'est un effet secondaire de la prise des stéroïdes qui peut aboutir à des conséquences plutôt graves ou néfastes ou désagréables, OK? Il est donc fortement déconseillé de laisser les testicules s'atrophier et de commencer à prendre la HCG après la cure de stéroïdes carrément. Tu peux t'en venir directement, Will, il n'y a pas de trouble. Tu peux passer en avant, tu peux passer en arrière du Kodak si tu veux, buddy. Yes, bam, il n'y a pas de trouble avec ça. Écoute, on est au show, on est en famille, il n'y a pas de trouble. C'est Will I Am lui-même ici qui est au show avec nous, yes, sir. Oh, show du bravo, j'ai Will I Am avec moi, yes, sir. Yes, alors, il est même recommandé, OK, de ne laisser apparaître aucun symptôme avant de réagir. Bon, alors, ce que ça dit, alors moi, on conseille toujours de le faire pendant la cure pour éviter justement d'atteindre le fond du baril, OK, below the bottom avant de remonter, OK, tout simplement, OK. De plus, il est une des probabilités de la prise de HCG après une cure de stéroïdes puisse empêcher le rétablissement, OK. Parce que si vous êtes allé trop fort, trop longtemps, ça se peut que ça donne rien ou à peu près pas. Okay? Alors, il est donc fortement conseillé de l'utiliser au milieu de la cure ou même à la fin de celle-ci, mais jamais après carrément la dernière injection. Bon, moi, je vous donne mon avis là-dessus. Okay? On va en parler un peu plus loin. Une période moyenne de prise de HCG peut être à peu près de 8 à 12 semaines. T'sais, moi, des fois, je dis à mes gars qu'on va faire des protocoles de retour de 8-10 semaines. Ils me regardent, ils sont là, ben voyons donc, 8-10 semaines. Ben oui, on ne fait pas du HCG 3 semaines en pensant qu'on peut repartir. C'est-tu n'importe quoi? Voyons donc. Peut-être qu'à 28, 32 ans, tu peux faire ça, mais à mon âge, tu ne peux pas. OK? Alors, il faut pour cela compter que les 4 premières semaines de la prise, OK, du HCG, se font à partir de la 3e semaine de la cure de stéro. C'est ce que je vous parlais. 2e, 3e, on peut commencer. OK, bon, à peu près. La quantité à prendre, bon, elle varie selon les niveaux des résultats envisagés. Elle peut être d'une quantité de 3 prises minimum par semaine, qui peut être de 250 units, OK, de la shot, donc 750 par semaine. Oui, ça dépend de ce que vous avez fait, ça dépend de votre âge, ça dépend de vos produits, ça dépend de vos années d'expérience, ça dépend de bien des choses, OK? Alors, 250 unités tous les deux jours, ou alors carrément une prise journalière de 250. 250 à ce moment-là qui m'amènerait à 500, qui m'amènerait à 1000, qui m'amènerait à 1002. Ouais, là, on parle plus un peu. Ça, je suis plus d'accord avec ça. De bons dosages de HCG pendant une cure de stéroïdes peuvent empêcher les effets secondaires, comme le rétrécissement des testicules ou encore la perte de réactivité. Tout ceci est une question de rythme et de prendre en effet et d'effet escompté. Donc, je vous dirais, OK, l'ancienne méthode, nous autres, ce qu'on nous avait expliqué, nous autres, ce qu'on apprenait, là, on utilisait, exemple, on faisait 3 semaines, mettons, à ON, on arrêtait une semaine, on prenait 5000 units d'APL, on recommençait 3 semaines. On faisait ça à l'année. OK? Je ne vous dis pas que ce n'est pas bon, je vous dis que c'est peut-être agressif un peu. OK? Puis même, je vous dirais, ça peut désensibiliser, OK, à ce moment-là, les profils hormonaux pour faire en sorte qu'à un moment, le signal de LH ne répond plus versus l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc, quand on parle d'une nouvelle méthode aujourd'hui, 1000 units par semaine, pendant 6 à 10 semaines, on commence à se parler, là.
Là, c'est mieux. C'est pas trop agressif. 1500, j'accepterais. Pour un cas d'une personne, exemple, qui va faire un protocole de retour, mettons exemple, à long terme. OK, la personne dit, ça fait 20 ans que je prends des stéros, je me prends un break-out complètement arrêté. Et mettons, pour les 6 prochains mois, je fais un protocole de retour, 3000 units par semaine pendant 6 mois, OK, avec une bouteille de Tribulus aux 2 semaines et demie, 90 comprimés, vous en faites 10 par jour pendant 10 jours. Ou 10 par jour pendant 9 jours, aux 2 semaines et demie tout le temps pendant 6 mois avec le HCG. Ça devrait recalibrer le corps sensiblement. Si ça ne le fait pas assez et que le taux de testostérone est resté bon un peu, à ce moment-là, on pourrait garder le HCG, OK, à l'intérieur de dire qu'on pourrait peut-être rouler à place de 3000 units par semaine, on pourrait aller à 1000, mais peut-être ajouter, exemple, mettons un 150 mg de testostérone énantate par semaine pour appliquer une forme de TRT un peu pour faire en sorte que le corps garderait une homéostasie totale. Je sais pas si ça vous enligne un peu. OK, right? Très bon. OK. Le HCG et la fertilité. La stérilité et l'infertilité est définie comme l'incapacité des couples à produire des enfants après un rapport sexuel non protégé. Bon, c'est comme M. le régisseur, lui, ses parents ont eu un rapport sexuel non protégé, puis ça a donné le cossin qu'il y a là. Bon, ça, c'est des affaires qui peuvent arriver. Ben quoi, c'est vrai. Je dis, moi, en tout cas, moi, les gars, quand je vous regarde, j'aurais mis 3 condoms, moi. J'aurais pas beaucoup de chance. Je sais pas ce que j'ai. Bon, OK. La première utilisation du human chorionique est particulièrement faite pour ce qui concerne le traitement des problèmes de fertilité chez la femme et chez les hommes. Comme vous pouvez voir, au départ de tout, c'est pas pensé pour faire un post-cycle therapy. C'est vraiment pour traiter les problèmes d'infertilité chez l'homme et la femme. Bon, voilà. Alors, chez la femme, le HCG aide à l'ovulation. En ce qui concerne les hommes, il sert particulièrement à améliorer la spermatozoïde, okay, le nombre de spermatozoïdes, la spermagenèse, et peut agir comme un bon booster libidal et un excellent remède contre la stérilité. Alors, c'est un peu à ce que ça sert. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis que les testicules deviennent plus spongieux, le corps caverneux, le pénis devient plus gros. Donc, à ce moment-là, les organes génitaux reproducteurs reprennent une forme beaucoup plus normale et une fonction qui est optimale. Alors, des gens qui auraient de la misère à avoir des enfants, ça pourrait être une très, très bonne manière de procéder. OK, voilà. Comme exemple, une femme peut prendre du Clomid. Elle a de la misère à avoir des enfants, elle prend du HCG, elle prend du Clomid. C'est sûr qu'elle va avoir des triplets, là. Il va se passer quelque chose, ça, c'est sûr. OK, right. Alors, pour ce qui est des hommes, une bonne fertilité, OK, pour une bonne fertilité, cela nécessite un bon fonctionnement des glandes productrices d'hormones du cerveau qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse. La stérilité peut être causée par différents pourcentages de variables, différents problèmes, causés soit par divers phénotypes provenant de soit des testicules, soit par un mauvais fonctionnement de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. Il reste cependant une majorité de cas non identifiables, même après plusieurs tests. Le recours au HCG est donc primordial. J'ai pas dit le mondial, j'ai dit primordial, veut dire prioritaire, OK, pour beaucoup d'hommes ayant des problèmes de stérilité. Et donc, après ma barre, c'est vraiment pour contrer ce phénomène-là et pour faire en sorte qu'on ne développe pas de problèmes sous-jacents. Les différents protocoles de HCG, pendant la cure, après la cure, entre les cures. Bon, OK. Alors, il existe plusieurs types de protocoles de HCG, que ce soit pour la fertilité ou l'amaigrissement, ou pour des post-cures de stéroïdes. Il faut cependant, pour ce qui est de la fertilité ou de l'amaigrissement, se référer à un médecin ou faire plusieurs tests avant de choisir un meilleur programme. Ça, je vous le conseille. OK, si vous voulez avoir des bonnes réponses, travaillez avec un endocrinologue. OK, lui, il va vraiment vous donner des meilleures réponses. Il va s'appliquer. Votre médecin en médecine générale ne connaît pas ça. T'sais, j'ai même des gars qui débarquent dans mon bureau qui se font dire que leurs prises de sang sont très belles. Les nominales de testostérone sont entre 10 et 25. Le gars est à 4. Puis il se fait dire que tout est beau. T'sais, on s'entend-tu que le gars, t'as beau avoir un doctorat ou bien un baccalauréat dans ton domaine, t'es un Christy de jambon parce que tu dis n'importe quoi. Puis, tu n'as pas pris le temps de regarder comme il faut l'ensemble des feuilles. Je n'ai pas de doctorat là-dedans. Moi, je vais dire comme je dis souvent, moi, je suis pas docteur, mais j'opère en salle. OK? Tu comprends-tu, là? Il y a des choses qui sont évidentes. Plus petit que 4, c'est pas bon, tu es à 1. C'est quoi, tu n'as pas compris le cave? T'sais, tu comprends-tu? Ça prend pas un diplôme, là, right? Alors, pendant la cure de stéroïdes, OK, il est recommandé de toujours prendre des injections de HCG avant la fin de la cure pour éviter l'atrophie testiculaire. C'est la seule condition pour maintenir une réactivité des testicules et le nouveau développement de la production du signal de LH. En règle générale, il est recommandé d'en prendre pendant les 4 dernières semaines de la cure de stéro. Moi, je suis un petit peu plus agressif que ça. C'est exemple, toi, tu me dis, on fait 12 semaines, à partir de la troisième, on y va. OK? Il n'y a pas vraiment de besoin d'être exact pour ce qui est de la quantité. 5000 units par semaine pour 4 semaines,
Moi, je trouve ça fort un peu. Moi, je vous dirais, là, quand vous roulez à du 3000, ça commence à être intense. Sinon, vous allez fermer le signal, c'est pas mieux, OK? S'avère être très bon, OK, pour une bonne dose, pour éviter tout type de problématiques. Alors, on est capable de dire qu'on pourrait facilement travailler sur un cycle de 12 semaines. Alors, on pourrait dire à partir de la 8e, je pourrais le décoller, mon HCG, ou à partir de la 3e. Moi, je préférais plus de bonheur, personnellement, OK? Puis, à ce moment-là, je pense qu'un bon dosage de 1500 par semaine, à partir de la 3e semaine jusqu'à la 12e, plus tous les produits, devrait donner un très bon résultat. Après la cure, le but du HCG étant de corriger les erreurs si, après une cure de stéroïdes, apparaît un manque de réactivité testiculaire ou un trop fort rétrécissement au niveau de celle-ci, même après la production de LH, soit de nouveaux effectifs. Cela veut dire que les testicules ne produisent plus de testostérone en quantité favorable, ce qui a un effet secondaire qu'il faut à tout prix reprendre et prendre en garde parce que c'est très important. Donc, une prise de... Et c'est là que c'est fort un peu, une prise de 5000 units à 10 000 units sur 4 à 8 semaines. Bon, sur 4 à 8 semaines. Donc, si, mettons, exemple, je me dis, écoute, je vais prendre 5000 units, mettons, exemple, sur 10 semaines, sur 8 semaines, ça me fait peut-être 5000 units, ça veut dire peut-être, mettons, exemple, c'est 1000, mettons, 1000, ça fait 8000. C'est même pas 1000 sur 8, c'est pas assez. Je vous dirais 5000 à 10 000 units sur 4 à 8 semaines. Moi, je préférais le fameux 10 000 units. 10 000 units, ça veut dire 1000 par semaine, à peu près peut-être 1200, 1200 par semaine, pendant environ, je te dirais, peut-être 8 semaines. Bon, c'est ce que je vous disais, du 1200, du 1500, je trouve ça très bon, OK? Dans certains cas, des dosages plus hauts, oui, mais avec recommandation et suivi de par l'endocrinologue. C'est différent, des cas différents. Chaque personne ne fonctionne pas de la même manière. Votre âge, votre expérience de training, votre alimentation, votre repos, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, OK? Donc, on est capable de dire environ 3000 par semaine quand on va faire des protocoles de retour de 10 à 20 semaines, mais ça, c'est pour des cas qu'on veut faire ce qu'on appelle un reset complet. OK? La majeure partie des gens, entre 1000 et 1500 par semaine, sera excellent. Entre les deux cures, il faut peut-être aussi. Il est peut-être aussi envisageable de prendre le HCG entre les cures pour. Pour ce faire, il faut attendre un minimum de 2 semaines après la cure de stéroïdes, c'est-à-dire pendant la période de récupération afin de laisser redémarrer la production de LH naturellement avant de se remettre à reprendre le HCG. Bon, OK, fantastique. OK, bon, parfait. Alors, bon, écoutez, on dit 2 semaines, écoutez. Si je fais du sutanon, je parle de 9 jours. Si je prends de la cipienate, je parle de 14 jours. Si je prends de l'énantate, je parle de 12 jours. Si je prends de la propriénate, je parle de 4-5 jours. Ça dépend toujours de ce que je vais utiliser. Pour ça, il est recommandé de faire quelques tests sanguins pendant la période de récupération et juste avant de refaire ses injections de HCG, OK, afin d'avoir l'assurance que la production de LH est bien redémarrée. Alors, quand je vous dis que le signal de LH devrait avoir bien redémarré, ce que je veux dire par là, alors autrement, l'hypophyse et l'hypothalamus recevraient tous les deux des faux signaux, OK, ce qui pourrait les amener tout simplement à arrêter la production, OK? Alors, au lieu d'être en devenir et de repartir tout simplement, on n'a pas validé avec la prise de sang si on est bien reparti. Si on est reparti, on y donne tout simplement du HCG. Ben non, il est reparti, il est correct. S'il n'est pas reparti, go! Alors oui, des prises de sang essentielles. Tous mes gars passent des prises de sang. Même les femmes, tout le monde. Je travaille avec ça. Ça n'a pas le choix. Vous ne travaillez pas avec des amateurs. Quelqu'un qui ne vous demande pas ça est un amateur. OK? Ou il n'y a pas votre santé en considération. Tout ce qu'il veut, c'est votre portefeuille. OK? Donc, alors si le signal se ferme, pouvait amener à donner l'ordre à l'arrêt total de LH pour ce qui est de la prise, OK, entre les cures, 5000 units pour une période de 6 semaines semble être relativement raisonnable. Ils reviennent toujours avec le fameux 5000 units. Moi, je vous dirais que je le trouve très fort, personnellement. Moi, je pense que si on veut faire une belle job, à ce moment-là, en 2 cures, si on se dit, mettons exemple, on se donne un hit, si tu travailles, mettons exemple, à 3000 units pendant 5-6 semaines, puis tu repars, parce que tu es carrément en 2 cycles, et on a quelque chose de très bon. 5000, c'est peut-être fort un peu. T'sais, tu risques peut-être de sursaturer le système. Donc, en conclusion... OK, le LH, par ses propriétés pharmaceutiques, est indiqué pour ce qui est des traitements de la stérilité. Alors, pour ce qui est de la masculinité, OK, oui, voilà, exact, voilà. Alors, une autre des propriétés du HCG est de pouvoir effectuer la différenciation entre les cellules de Leydig et la stimulation des sécrétions d'androgène. Okay. Excusez-moi. Okay. Ça. OK, voilà. Oui.
et tout, évidemment, et tout en étant interdite dans le monde sportif, elle reste une référence pour ce qui est de la stimulation et de la création de la testostérone dans votre corps. Alors voilà donc une hormone qui est bien utile dans la quête de la performance et de l'accomplissement finalement de vos objectifs corporels. Donc faites bien les choses, faites-le avec votre tête, faites-le avec des pros, faites-le avec des entraîneurs qui connaissent ça, faites-le avec des endocrinologues, faites-le avec des prises de sang à l'appui, faites-le avec des gens qui ont à cœur votre santé. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Alors, c'était le sujet pour cette semaine. C'était le HCG au show du pro. La semaine prochaine, je vous reviens avec deux sujets. J'ai le retour à l'équilibre et au balancement dans les physiques. Je voulais vous le faire cette semaine puis vous faire ma récapitulation de ce que c'est l'OPQ, où est-ce qu'ils sont rendus, etc. Mon expérience cette année à l'Est du Québec et à la province. J'attends encore de voir les photos du championnat de la province sortir. Hein? Le championnat était le 8 ou le 9 de juin. Je vais vous donner un exemple. En CPA, quand ils font un championnat le samedi, le dimanche, les photos sont en ligne. Là, nous autres, ça va bientôt faire un mois. Alors, j'attends d'avoir les photos pour me permettre d'avoir des comparables, mesdames et messieurs, pour être capable de vous donner un œil aiguisé et non pas juste des oui-dire et vous dire de la fumisterie et n'importe quoi. Parce qu'on show du pro, on ne vous prend pas pour des maillets, on ne dit pas n'importe quoi. Et ensuite, alors, je vais vous revenir avec ça. Je vais vous donner mon feeling là-dessus. Le bodybuilding aujourd'hui, dans ce que j'ai vu, là, amateur. Je vous parle de ça un peu cette année. De toute manière, je vais en avoir d'autres à l'automne en CPA. On va s'en parler encore cette année. Et ensuite de ça aussi, j'ai un sujet qui m'a été amené que je trouve très intéressant. La pression des médias sociaux sur les gens qui s'entraînent. La raison pour laquelle je demande à mes athlètes de jamais mettre, entre autres, exemple, des photos d'eux autres sur Instagram pendant une préparation de championnat. Il y a une raison à ça, OK? Que je trouve que c'est d'une débilité totale de toute manière, parce que si vous vous préparez pour un championnat ou vous vous entraînez, c'est un truc qui est personnel. Ça n'a rien à voir avec personne. Alors, dites-vous bien une chose, on part avec ça. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre HCG est tellement dosé que votre jackstrap est en train de déborder. Oh boy! Alors, on va se revoir la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. Je vous attends, évidemment. Merci à tous de regarder le show. On se revoit la semaine prochaine au show du pro!